Zanmim, nou kontan paske nou gen opotunite sa pou nou retounen e vin travay avèk ou ankò. Prezante ou le 12 minute de benediksyon. Yon mouman ke bon Dje pou an pi plezir la dan li. E mwen gen garanti ke ou pa pèd du tan ou lò partisipe nan 12 minute, lò koute 12 minute, lè ou partaje 12 minute. Et ou pas perdre du temps, au contraire, font bagay qui noble. Continuez. Même si vous avez une quelques difficultés, continuez. Eh bien, songez-nous dans la vie de Samuel. Donc, nous avons ouais, un premier maillon dans la vie de Samuel. Nous sommes entrés dans Anne, le triomphe d'un esprit affligé. Eh bien, deuxième maillon, ça que nous parlons là, c'est l'appel de Samuel. Si tu as une permission, tu as dit l'appel du petit Samuel. Mais pas une permission pour ça, moi, dis non l'appel de Samuel. C'est dans 1 Samuel chapitre 3 que nous parlons de plusieurs bagailles qui viennent dans maillon ça. Éternel, notre Dieu et Père, nous bénissons de façon très spéciale parce que ben, nous avons l'opportunité ça pour nous approcher devant vous et surtout pour nous capables de partager avec vos paroles. Mais on connaît si nous n'avons pas de provision, nous n'avons pas capable de bailler. Et c'est la raison ça même qui fait que nous voulons demander aux provisions, s'il te plaît, pour capable de nous plus de provisions de sorte que nous-mêmes nous sommes capables de bailler à tout le monde qui est en nécessité. Et puis pour nous faire ça pour ta gloire, nous ne faisons pas des choses qui vont vanter tête nous, mais nous faisons parce que c'est sauvé. S'il te plaît, agis en notre faveur, gardez-nous et permettez à ce que le moment, ça que nous avons passé là, le seul moment extrêmement béni pour ta gloire. Merci infiniment, c'est dans le nom de Jésus que nous réclamons ces faveurs. Amen. Songez, mon cap parlé ensemble avec moi, c'est Monel Alcira. Qui a un channel YouTube tout, qui c'est TV Monel Alcira, vous pouvez aller là-dedans. Et gardez enseignement nous mettez sur channel là, partagez avec contact ou et puis abonnez. Dans un moment, côté la parole de l'Éternel, littéraire. Et Bible a dit vision pas fréquente du tout. Non, pas de bagaille comme ça même. Et bien c'est ça nous dans le commencement chapitre 3 et dans verset 2 hein? Dans verset 1er et verset 2 donc c'est dans moment ça bon Dieu il prend le jeune Samuel qui n'était plus un enfant et qui était peut-être déjà dans l'adolescence là. Si nous voulons croire, chapitre 2, verset 21 et verset 26, dans verset 21, il dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dans verset 26, là, il dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel. Et aux hommes. Moi-même, texte ça. Il est agréable à l'Éternel, il est agréable aux hommes. Est-ce que tu as une bonne équipe, mon qui a servi bon Dieu? D'après eux-mêmes, c'est seulement bon Dieu. Et ils ouais, tellement spirituel. Mais mon qui bon côté eux, pas bénéficier en rien de communion. Moun ki bon côté va bénéficier rien de comme yo tant que son modèle de moun qui capable yo capable suivre moun ça pas bénéficier rien yo seulement là tant que des êtres spirituels tant que des anges moun ça font l'évangile que l'évangile angélique moun ça fait l'évangile angélique hélas ça veut dire moun qui sous la terre mais qui maintenant tête c'est dans ciel yo est. Il y a seulement un rapport avec bon Dieu, mais oubliez si il y a des gens qui sont à côté autour.
pour yo bien traiter, pour yo bien vivre avec yo, pour yo bien servir. Samuel lui-même, il était non seulement faire bon Dieu plaisir, mais également vie monsieur, comportement monsieur, attitude monsieur était agréable aux hommes. La parole de Dieu était vraiment, vraiment rare. Donc, dans la période de sa jeune Samuel, il a eu environ 12 ans. C'est probablement même l'âge que David a eu, il a tué Goliath. Sous 1 Samuel 17, verset 33, vous voyez ça. Et puis, songez, nous t'ai parlé déjà de texte là. Donc, l'été un juge en Israël, c'est une période côté que activité prophétique qui était un petit limité, parce que t'es un bagage qui a fait, qui pas fait bon Dieu plaisir du tout. Bref, pas de bien, bon Dieu pas de révéler à quiconque dans la période là. Bon Dieu pas de bagage, pas de révéler en rien du tout. Et qui est capable de permettre que mon yo avance et continue parce que tu as un paquet de bagailles qui n'est pas correct en Israël à ce moment-là. Donc, raison même principalement fait ça, c'est dans chapitre 2, sous le verset 12, arrivé dans le verset 17, on peut comprendre qui ça qui arrivait, comportement des fils du sacrificateur Élie. Et au verset 17, il dit « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Ouais, comportement, n'est-ce pas? Ok, bagaille la loi te dit qu'il était de fait concernant les offrandes. Monsieur Sayo, t'es méprisé. Et je me pose la question, est-ce que c'est pas même bagaille la vivre aujourd'hui, hein? Par rapport à un paquet de monde qui a fait propres affaires et qui négligeait la parole de Dieu, ça bon Dieu dit, c'est pas lui au fait. Si nous prenons le temps pour nous analyser le comportement de certains chrétiens, certains leaders, certains dirigeants d'église, certains monde qui établit assemblée, on va poser la question, est-ce que le monde va faire leurs propres affaires ou bien faire les affaires de Dieu? faut poser question ça. Nous sommes dernièrement nous dans un groupe WhatsApp côté que gien des frères qui commençaient à contrecarrer quelque bagaille estimé pas correct que certains monde dans groupe là fait et bien dirigeant groupe là mettez nous tout dehors. Oui, mettez nous dehors parce que semblait nous vin nuit au royaume li. Alors que si n'a fait un bagaille pour nous aider moun comprendre la parole de Dieu pi bien. Dirigeant groupe là, t'as supposé bat bravo pour dire merci m'gen moun k'ap aider chrétien avancer. Mais c'est un bagaille qui fait nous voir que moun sa totalement dehors de la parole de Dieu. Mais oui. Eh bien chers amis dans le Seigneur, ou même k'ap tandem, dans ces jours de dégénérescence qui te gagne en Israël, pendant que pas gain pièce espoir pour une relation avec Dieu par rapport à comportement des fils du sacrificateur Élie, c'est là bon Dieu parle ouais le petit Samuel, le jeune Samuel, il prend le prendre monsieur pour le placer dans mitan yo pour confondre ses adversaires par la bouille de cet enfant. Jean Bible a dit dans Somme 8, verset 2, même si Somme 8, verset 2 sont somme qui n'a pas totalement un rapport avec ça, parce qu'ils sont somme. Il fait partie, je crois, des sommes messianiques. Donc, mais c'est juste ce ça le dit. Dans verset 2, il dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle,
Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Ici, dans le texte, c'est comme si il y a un caractère un peu ironique. Moun qui t'a adoré camper pour bon Dieu, c'est pas yo camper qu'on a bon Dieu obligé prendre des enfants, des petits, des jeunes pour le mettre au camper pour sa gloire. La question même, puis qu'on minimise tout. Quel que soit koto yé ya, puis qu'on jamais minimise tout parce que ou pas jamais connaît qui le bon Dieu a mettre mes sous pour l'utiliser pour sa gloire. Puis qu'on parce qu'un tel il gagne plus le temps dans l'évangile, il étudie des théologies, il te parle français, il te ceci cela et puis dans tête tout. Pour mettre que bon Dieu pas qu'à utiliser ou pour faire des exploits, quel que soit côté où il y a bon Dieu qu'à servir avec ou. Bon Dieu qu'à utiliser ou. Oui, il qu'à utiliser ou pour sa gloire, chers amis. Même Jean lui dit dans 1 Corinthiens 1er verset 27 que bon Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre l'effort. Et en pile fois, les nous plus faibles, c'est ça même bon Dieu qui a fait plus grand exploit avec nous, utiliser nous plus bien pour sa gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Ok? C'est là ça. Donc, chapitre 1er, verset 28, là, dit dans 1 Samuel que Samuel était prêté à l'Éternel. C'est ce que Anne avait fait. Eh bien, le Seigneur prend le servir avec presse à. pour le consacrer pour le relèvement, le redressement d'Israël. Pas besoin de me poser une question sur condition physique ou ça pas important pour moi. Condition intellectuelle ou condition position sociale ou ça pas important. Quand Dieu veut t'utiliser pour sa gloire, il le fera quelle que soit votre condition, quelle que soit votre position. Ah, parole ça elle est tout droite dans cœur. Parce que je me sens, c'est avec moi que bon Dieu a parlé. Depuis que bon Dieu voulait utiliser pour sa gloire, il est capable de faire. Et comme moi déjà dit, l'apôtre Paul dit, Dieu choisit généralement les choses faibles du monde. Si vous avez force ou pas là-dedans. Mais des boucons non sont faibles, bon Dieu a fourré mes bras et fait des exploits ensemble avec vous. Gloire à toi, papa chéri, nous bénissons en pile. Parce que déjà montré nous, que rien pas difficile pour vous. Et on va continuer à agir pour ta gloire à travers nous-mêmes. Et net aller toute gloire c'est pour vous-même seul. Amen. Eh bien oui, 12 minutes de bénédiction dans l'air. Monel Al-Sira à l'appareil. Eh bien, dégagez pour partager avec Zami Oyo et puis faire connaître que 12 minutes dans l'air. Dégagez pour l'abonner à Channel TV Monel Al-Sira. Bouquet répétez ça dans les oreilles. Et ne pas suspendre. Parce qu'en réalité, vous devez abonner déjà. Comme vous pouvez m'abonner jusqu'à présent, je vais continuer à claironner ça dans les oreilles. Eh bien, nous sommes là pour étudier la vie de Samuel. Et nous avons un deuxième maillon qui titré l'appel de Samuel. Et cet appel, eh bien, nous joignons dans 1 Samuel chapitre 3. Nous proposons pour nous capables de garder avec vous dans le chapitre ça quelques éléments importants concernant l'appel de Dieu. Il y a un paquet de bagages que nous avons besoin de connaître concernant l'appel de Dieu. Regardez tout le monde qui connaît que bon Dieu est relé dans le ministère ou bien est relé. Mais ça est important pour tendre pour bon idée de appel de Dieu. Sou konn sou pa konn si bon Dieu relé tout, l'important pour tendre quand même parce que ça prend les deux bon idée de ça nous relé l'appel de Dieu. Dieu notre Père, nous sommes devant ta face. C'est toi qui nous a appelé et qui nous a établi pour ta gloire dans ce monde difficile, dans ce monde tête chargée. Ah, il va te causer, non? Son monde problème. Mais c'est dans le monde ça qu'on mette nous. Et nous là dans le monde là pour nous capables de dire merci. Pour nous capables de reconnaître envers nous même glorifier. Nous ne pouvons pas faire de plaintes. Hein? C'est comme si on mal choisi pour nous. Ou bien choisi, mais. Que nous vivons en Haïti. Que nous vivons parmi des gens méchants, malveillants.
que nous vivons à l'étranger, côté que nous avons réduit dur, nous n'avons pas dormi, pas dormi de soir presque toute la nuit. Nous travaillons quelquefois au travail la journée, nous travaillons à soir, faire des jobs. Quelquefois nous réduit dans la neige, nous réduit dans le froid, quelquefois dans la grosse factory, mais malgré tout bagage ça, ou pas mal choisi pour nous. Nous ne pouvons pas reprocher rien. Et nous là, nous disons merci parce qu'on continue à garder nous et aider nous faire route là, j'en voulais là. Bénis davantage les auditeurs de 12 minutes qui sont déjà bénis, mais nous cherchons des bénédictions davantage. Agis pour eux, aussi bon Dieu par eux. Nous comptons sous présence. Amen. L'appel de Samuel. Et l'appel de Dieu. Dans le chapitre 3, il rappelons que chapitre 3 rappelons que appel bon Dieu a li capable venir très tôt dans la vie au monde. Premier bagage nous ouais, jodi a n'a regarder ensemble avec vous, c'est que l'appel de Dieu li capable venir très bonheur très tôt dans la vie au monde. Nous lis plusieurs textes déjà dans dernière méditation hein? Côté que lui parlait du jeune Samuel. Bien, nous parlait du jeune Samuel. Donc, si nous parlons du jeune Samuel, donc ça veut dire, monsieur Pate, il y a un monde qui était en maturité. Et sous son, j'ai bien dit, monsieur était capable de gagner environ 12 ans, même genre avec le David, le jeune David, tel campé devant Goliath. Dans 1 Samuel 17, dans verset 33, c'est à peu près la même chose. Donc, nous voyons chapitre 2, verset 21 et verset 26, il parlait du jeune Samuel. Est-ce que tu connais une conception de Yoa et dans certaines églises traditionnelles, certaines assemblées traditionnelles, en conception qui fait au quoi que jeune pas ka fan rien. Jeune pas ka règle rien, jeune c'est gagote, jeune c'est bêtise, jeune pas vaut rien. Oui. Bon conception comme ça d'ailleurs. Bon vieille conception comme ça d'ailleurs. Mais ou même qui jeune captant de là, pas quitter conception ça rentrer dans tête tout. Parce que c'est pas bon Dieu dit. Son série de hommes qui soi-disant dit aux leaders d'église et bien qui mettait dans tête que c'est eux-mêmes seuls qui ont révélation de Dieu, c'est eux-mêmes seuls qui capable avec bon Dieu. C'est vrai, nous connaissons jeunes qui font pile bêtise. Oui, nous connaissons ça. Mais qui est-ce qui va faire bêtise? Ou même taxer jeunes de monde qui pas ca régler rien, qui pas ca faire rien, jeunes qui pas, jeunes passer ces là et ou l'autre jeune. Quelquefois tu fais plus bêtise. Parce que les jeunes actuellement qui font bêtises. Ou pas, bon Dieu, tu es toléré ou tu as une compassion pour vous. Je ne dis pas ça déjà. Dans la dernière méditation, bon Dieu est capable de prendre les choses faibles du monde pour le confondre l'effort. Ou pas, j'aime ça. Si ce n'est pas grâce, bon Dieu, tu es fait ou même. Quand tu es dans le ministère, tu es le pasteur, diacre, évangéliste, et quelquefois nous tête nous tous non. Ou dans le ministère, de quoi c'est bon Dieu, parce que bon Dieu c'est Dieu de grâce. Même Jean bon Dieu était patient avec lui, il était fort grâce là, c'est pourquoi quelqu'un patient avec n'importe l'autre monde pour l'utiliser également pour sa gloire. Donc Samuel était tout jeune, le Seigneur était parlé avec lui. Et le même t'a parlé de 12 ans, il y a l'autre auteur même qui dit même il était gagné même 6 ans. Ok? Il y a l'auteur qui dit qu'il était gagné 6 ans. Donc, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, il va révéler volonté à un jeune. Que en plus, on a dit à un enfant, l'enfant Samuel. Mais texte nous te lié, dit nous le jeune Samuel. Nous préférons rentrer sous jeune Samuel là. Donc, quitter un jeune garçon. Et un jeune adolescent qui était entre les mains de Dieu. Songez, c'est prêté, bon Dieu, jeune Samuel. Malgré c'est bon Dieu qui était baillé,
Zanmim, gon teks nan 1 Kronik 29 ki di tout sa nou gen net nan mon li, oui. Bon gade nan, se verse 14 la. Men oui, 1 Kronik chapitre 29. Mwen remen teks sa telman. Et verse 14 la ki sa di? Li di, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires. Ces offrandes volontairement servent. Mais parti moi maintenant verset à partir bien tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Vous entendez ça même toute bagaille ou net dans mon c'est la caille bon Dieu sorti. Ou pas te faire ta rien, ou pas venir sur la terre rien, toute capacité, toute force ou ouais ou capable avec monde bay conseil ou bien capable pour la prière pour chanter. Regardez monsieur, même si vous allez dans théologie ou tu font étude de grands mots grecs, de grands mots hébreux. Zanmim, tout vient de Dieu, attendez. C'est pas de grands mots grecs, de grands mots hébreux qu'on t'a étudié dans séminaire là, exégèse, herméneutique, et ba yo homilétique. Non, c'est pas yo même qui font soyer dans bon Dieu. Tout vient de toi, tout vient de Dieu. Moi-même, quand je parle ensemble avec nous, m'étudie de théologie. Mais oui, m'étudie de théologie. Mais c'est pas étude théologique qui fait ma parler ensemble avec vous là. Tout vient de Dieu. Tout bagaille net sur dans bon Dieu. Capacité pour me respirer, pour me marcher, pour me parler, pour me chanter, pour m'interpréter la parole de Dieu. Je pas minimiser monde qui a connaissance. Je pas droit ça. Je pas voir connaissance jeter parce que dans plus le monde tout. Qui prend extrême, moun kap critique théologien, moun kap prend extrême, m'ba geta pour ça, m'ba fait bagay comme ça parce que m'estime que ça a dit yo manque force, yo manque fondé. Et quelquefois, moun kap fait là, il pas même passer dans l'école théologie. Pour critiquer théologie, faut passer dans l'école théologie pour faiblesse ni. Ou pas qu'il a distance pour garder pour dire qu'il a faiblesse. Non, ou pas capable. Moi-même, m'ka dit nous toute faiblesse que moi dans l'école de théologie. Je vais dire ça. Parce que je fais tant à étudier la théologie. Mais je ne vais pas venir me critiquer et me minimiser la connaissance qu'elle a dans la théologie. Mais je dis que toute bagaille saute dans mon Dieu. Mais ça faut d'accord ensemble avec moi. Je ne vais pas avoir une connaissance au jeté. Mais tout ça, c'est la caille bon Dieu saute en même. Et dans Proverbe chapitre 8, verset 17, la parole de Dieu déclarait: Moun kap cherche, y ap trouve. Ceux qui me cherchent, me trouvent. Pour qui ça, bon Dieu, t'a fait une déclaration comme ça? S'il pas te connaît que c'est lui qui est important pour les hommes, s'il pas te connaît, c'est lui qui fait nous respirer, c'est lui qui fait nous parler, c'est lui qui fait nous chanter, c'est lui qui fait nous faire toute bagaille. Sans bon Dieu, m'tap campé devant Bible, ça m'tap transpiré après ça, m'fait même pas faire rien. Mais tout vient de Dieu. Ça fait l'important ou même pour joindre bon Dieu. Bon Dieu, mon cap chercher bon Dieu, de vous chercher de tout cœur. Bible a dit ou a joint ni. Et moun, ou tande ou le bon Dieu, kon ki les liye? Eh bien, gade ça, gade ki les liye dans Esaïe chapitre 57. Gade verset 15 lan, ou apre ki les personne dans Esaïe. Esaïe 57, gade verset 15. Le verset 15 nous dit: car ainsi parle le très haut, dont la demeure est éternelle. Mais qui moun liye? Personnel, ça, son monde qui gagne demeure éternelle et dont le nom est saint, son nom est saint. Qui ça dit? J'habite, c'est vrai, dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ça veut dire côté monde pas qu'à atteindre bon Dieu. Mais aussi, il est avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous entendez? Bon Dieu avec l'homme qui gagne le cœur contrit et humilié. Ça veut dire, moun qui gagne humilité, les cœurs humbles. Bon Dieu, li ensemble avec moun sa yo. Soit cherche bon Dieu dans un cœur qui humble. Ou jeune bon Dieu là. Gap pile nan nou ki toujours nan frappe l'estomac, comme si son affaire nous yé. Nous pas camarade personne, nous méprisons moun le nouvelé. Nous mettons en tête, nous c'est nous seuls qui connaissons bon Dieu. Pas gagne moun sur la tête connaissons bon Dieu. Mais monsieur, oh. Pour bon Dieu tellement vaste, nan niveau bon Dieu ça vaste. Même yon yem nan bon Dieu nous pas comprendre. Et puis quand yon fait m'comprendre, c'est ou seul qui compte bon Dieu. Mon cher, al cherche un côté mette kote, de chita. Tant qui sa bon Dieu a enseigné pour apprendre. Ou pourquoi apprendre assez? Pourquoi c'est ou seul qui compte bon Dieu?
Eh bien, bon Dieu demeure dans les cœurs humbles. C'est où sont monde qui gagne humilité. Monde qui gagne humilité l'apprécier l'autre monde, l'apprécier succès monde. Monde qui gagne humilité l'apprécier ça l'autre monde fait de bon. Monde qui pas gagne humilité a tellement pensé c'est lui seul qui connaît pas grand yon fait qui bon avec non. Ah, pas grand yon fait qui bon avec non. C'est lui seul qui ca fait, lui seul qui connaît. Eh bien, bon Dieu habite dans les cœurs. Et bien, assurément, le cœur de ce jeune Samuel était humble. Et bon Dieu, il habita dans ce cœur-là pour le bonheur d'Israël. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel Dieu, Père, nous bénissons. Nous pas de mots. C'est seulement remercier nous, car remercier vous pour tout ce que vous faites dans la vie. Nous aidez-nous, bon cœur qui aime, pour qu'à demeurer et habiter parmi nous. Amen. Nous fermons les portes là. Il est tôt ce matin. Il est vrai, il est tôt. Il est nuit. C'est vrai, nous comprenons ça. Mais je vais quitter la provision pour vous, le lever. Vous avez une provision. Alléluia. Vous avez une provision, le lever. Attendez. Eh bien, sans plaisir pour nous capables ensemble avec vous encore aujourd'hui. Hein? Nous toujours gagnons le même plaisir chaque fois que nous avons venu pour nous rencontrer aussi. Si je ne suis pas venu, je me sens que c'est vraiment qu'à gagner pour nous battre nous pour nous parler de la Bible. Eh bien, nous sommes en train de développer la vie de Samuel. Et pendant que nous avons développé la vie de Samuel, nous arrivons dans Mayon qui titrait l'appel de Samuel. Avant Samuel, tu es venu salter. Et le prophète Samuel, avant de venir salter, eh bien, il a eu un appel. Ouais, 12 minutes dans Mayon, dégage, fais swap avec lui. C'est mon élancier à l'appareil. Eh bien, amis, moi montré que prophète Samuel te gagne un appel. Vous connaissez qui question qui monte dans tête moi pendant m'a parler là ensemble avec quoi? Ou font travail pour bon Dieu, moi investi tête là dans vrai. Quand m'a me poser aux questions. Est-ce que ou gagne un appel pour ça va faire? Est-ce que ou sûr? Bon Dieu, hello. Gabriel, nous effouer, nous fouer tête en nous. Comme nous, on a fait, faut nous faire tout. En vérité, m'a dit nous ça. Bon équipe, mon nous qui lit des pasteurs. Bon Dieu, pareil, non. Bon Dieu, pareil, non. Gen moun qui vini pour diverses raisons. Et gen nan yo ou ek vini, sincèrement ou vini pour manger. Yo vini pour manger. Yo vini pour gon bien-être. Comme si yo senti. Et conseil de négité qu'on marchait prêcher comme évangéliste mais il marchait tout partout dans l'église ici dans l'église là dans l'église à gauche à droite mais là ouais l'âge commence à monter sous lui la bataille en quarantaine yo là bas il vient dans cinquantaine il peut que ouais ça marchait prêcher à faire pour lui parce que là il prêche pour un petit enveloppe mais ça pas qu'à supporter avenir avec la famille elle pas régler il pas travail qu'on est obligé de monter l'église. Ben oui. Il monte dans mon assemblée, il dit bon qu'on a une église, monsieur pasteur. Parce que là, go bagay qui stable. Go bagay qui va rentrer, grand pile monde, chers amis qui pas gagne qu'un appel. Bon ça comme garantie. Et monde qui gagne appel là, senti le gars appel, bon Dieu. Parce que monde qui gagne appel là, ils ont démangeaison. Gon bagay qui pas ca bloquer le dans route malgré la non difficulté. Il sent que c'est difficile pour Jean ministère, difficile dans main, bagaille difficile pour la famille, il sent pas qu'à stop. Faut le continuer, faut aller jusqu'au bout, pas qu'à camper. Malgré les vents et marées, il sent qu'il faut le continuer, pas qu'à camper. Ah, nous là, m'ta ba témoigner, nous a raconté cause nous passé, oui. Dernièrement dans nos pasteurs qui t'a prêché. On s'en mis pas mais dit il baille démission, il dit il baille bon Dieu démission plusieurs fois déjà. Mais il a pire parce que c'est pas lui qui te met tête là. C'est bon Dieu créé. Ou va bon Dieu démission, bon Dieu créé l'eau. Hein? Après ça. Premier bagage nous te gardé dans appel de Samuel là. Nous ouais, l'appel là, un Samuel 3 montre nous que appel là qui a venu bien bonheur dans la vie au monde. Deuxième bagage n'a regardé c'est que appel là est capable de venir. Même si nous n'avons aucune expérience personnelle avec bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne suis pas d'accord.
appel la cavini, même si nous pas gain aucune expérience personnelle avec bon Dieu. Le verset 7, qui ça lui dit nous? Samuel ne connaissait pas, chapitre 3, oui, encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Aïe, aïe, aïe. Samuel n'a pas gagné aucune rencontre personnelle avec le Seigneur. Non. Samuel n'a pas pourquoi même recevoir la parole de Dieu. Non. Comme si tu as une révélation qui baille. Non, pas de bagaille comme ça du tout. Pas de question de révélation. Je ne dis pas dire ça. Ah ben. Oui, même les fils d'Eli, dans le chapitre 2, dans le verset 12, là, dès que ça a été fait gagote là, il va te connaître l'Éternel, tout non? Les fils d'Eli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Samuel, pas de pour qu'on connaît bon Dieu, il pas de pour qu'on recevoir qu'une révélation personnelle de Dieu, mais bon Dieu, il est. Eh bien, au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Samuel, pour le croire dans bon Dieu, malgré le pas de entrer dans un contact personnel avec lui. Ni te connaît que bon Dieu existait. Mais Bible là, nous saute li là dans le chapitre 3, il dit la parole du Seigneur pas pourquoi révéler à Samuel. Ça veut dire bon Dieu pas pourquoi parler personnellement à Samuel. C'est pour monde qui a une expérience avec bon Dieu. Tout comme il y a plus de monde qui a un appel général, dans l'appel général, bon Dieu, il est tout le monde venu, tout le monde venu. Et l'appel général, regarde, mais salut. Je viens, je viens, bon Dieu sauve. Ça a son bail que tout le monde qui est sur la terre net a dû répondre à lui. L'appel général. Viens, joignez-moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est un appel général. Mais, pour quelqu'un, un appel spécifique. En dans appel général là, l'eau vini. Bon Dieu pas dit maintenant qui branche. M'le fonctionner pour moi. Mais quand t'aimes l'eau là. Bon, posez-vous la question vous-même. Est-ce qu'on sent recevoir appel spécifique ça? Quand y a monde qui recevoir appel spécifique là, yon nan bagay pas qu'à faire, il pas qu'à imposer. Il pas qu'à quitter ses forcer à forcer. Il pas qu'à quitter ses nicher à nicher. Pour le fond bagaille pour bon Dieu. Que des fois bon Dieu ba mon un bel talent, belle voix pour le chanter ou bien pour le mener service pour bagaille et puis ou mon un pour le chanter un grain chant, c'est niché à niché. Que des fois bon Dieu ba mon un yon parmi don nou yo, bon Dieu ka ba mon un don pour les conduire, pour les diriger et pour mon ça comme si pour le faire ça, c'est avec la peine. Est-ce que c'est bon Dieu qui est tout bon? Mais si vous connaissez bon Dieu, vous pouvez vous faire faire une force comme ça. Moi-même, je suis défaut. Je suis défaut. Je ne force pas faire pour bon Dieu. Je ne force pas faire pour bon Dieu. Si vous pensez, vous avez une équipe, vous êtes avec moi, je ne force pas faire pour bon Dieu. Bon Dieu, mon choix, vous faites erreur. Vous n'avez pas besoin de moi, non? Je ne vais pas imposer un niveau ça sur moi-même. Non, mon cher. Bon, heureusement, bon Dieu, fais mon gros grâce. T'assembler, bon Dieu, mettons pas quatre bagailles dans moi. Qui fait que je fais un petit morceau dans chaque bagaille. Eh bien, ou pas, je fais ma fête. Et ma fête pour la gloire de Dieu. Ma fête parce que je besoin de paraître. Ma fête pour la gloire de Dieu. C'est imposant, imposant. La parole de Dieu n'avait pas encore été révélée au jeune Samuel. Et malgré que la parole là pour être révélée à Samuel, Samuel t'a accompli avec sérieuxité le service traditionnel que tu qu'on rend à l'Éternel. Sous retourner dans le chapitre 1er dans verset 28 là, Anne dit aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et là ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ouais, dame nan dit mon cher, ma bay bon Dieu li m'a pe prêté bon Dieu pour le faire service bon Dieu. OK?
Donc m'a vinn avec pour capable faire service bon Dieu malgré monsieur peut connait bon Dieu mais an te gen vinn avec pour capable impliquer dans le service de Dieu mais message personnel de la part de Dieu il peut recevoir c'est maman qui mène bon Dieu parle relèl mais maman mène et au te connait pas quatre monde qui entre l'église ça fait pas efficace oui parce que c'est parents qui te mène yo depuis mon petit c'est dimanche par ma l'église avec depuis petit c'est samedi là l'église avec bon tout là. Mais où est-ce qu'on a une expérience personnelle avec bon Dieu? So, je me prêché dans l'église dans la ville Népose aux États-Unis. Je me senti sous cœur pour me faire un appel. Il y a un personnage qui était passé par devant. Il y a 42 ans converti. 42 ans marché l'église. 42 ans servi. Mais il dit pas de jambe pour engagement personnel jamais même avec le Seigneur. Ouais, trahon. Pendant que tout le temps ça, ou maintenant l'église, ou marcher l'église, mais ou pas qu'une expérience personnelle avec le Seigneur, ou pas qu'un appel spécifique, ou pas jamais recevoir qu'un message direct de la part de Dieu. Quel changement qui va se produire dans notre vie, le nous tendez la parole de Dieu. Laissez volonté, bon Dieu, personnellement qui pourrait le concerner nous, c'est pas la volonté de l'autre, c'est pas ça bon Dieu te dit tel il y a problème ça avec nous, mais ça bon Dieu te dit tel c'est rien tel il dit, c'est pas où il dit zanmim c'est pas où bon Dieu dit, c'est tel il dit. Si bon Dieu dit tel en bagage, c'est pas où il dit. Ou besoin tendez la voix de Dieu par ou besoin la parole de Dieu par ou besoin une propre révélation par de Dieu. Nous sommes à copier sur le monde qui a fait ça des bagailles. Nous avons des gens qui tellement imité le monde, même voix le monde imité. Ils ont imité geste le monde. Façon le monde chita, c'est comme ça chita. Nous sommes un jeune théologien qui te dit il marchait dans l'église. Il était un professeur dans l'école théologique. Et puis, il n'a pas parlé avec monsieur. Monsieur a une façon de monsieur dit. Un tel professeur qui passe sur l'église là, il dit un tel orgueilleux, moi c'est pour m'orgueiller tout. Qui ça veut dire? Un tel orgueilleux, faut l'orgueiller tout. L'intel chit elle croise puis elle me croise puis tout. Qui ça? Mon cher, ou pas cap suivre moun tande qui t'est bon Dieu relé ou. C'est là ça un changement profond qui pourra le produire dans propre vie par le bon Dieu bon propre révélation par. Autant Jésus te dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est le connaît bon Dieu. Et le connaît Jésus-Christ, le Sauveur. Ce n'est pas le connaît moun. Ou bien ce n'est pas le moun connaît bagay pour ou moun vindou, mais ça bon Dieu te dit. Pour moun ap vindou, ça bon Dieu te dit. Ou pas ami bon Dieu même ou. Ou pas petit bon Dieu, pas rien pour bon Dieu. Eh bien, son voisin. Ou bien, ben, comment ça que moun bon Dieu parle pour ou pas rien de bon Dieu même. Cherchez l'Éternel avec droiture comme le jeune Samuel. Il m'a garanti qu'il va trouver. Éternel, Dieu notre Père, merci parce que vous relez nous. Et vous voulez pour nous servir avec tout cœur nous, avec l'âme, avec l'esprit. Nous sommes disposés dans nos propres révélations par nous pour nous faire ça pour ta gloire. Amen. Dieu notre Père, Papa chéri, nous bénissons parce que vous toujours ensemble avec nous, par exemple, jusqu'à présent, vous apportez nos secours. Merci pour toute grâce. Merci parce que on va continuer à enseigner nos paroles. À travers les 12 minutes de bénédiction, permettez à ce que la parole la convainque l'auditeur. Dans la dernière méditation, on t'a montré nous que son belle bagaille, les nous recevoir propre parole, c'est pas la parole des autres. Et nous voulons faire ça oui, pour ces paroles qui impactent nous. Fais ça pour nous et agir en notre faveur. Et permettre à ce que ça nous pas qu'à faire au même offre pour ta gloire. Béni soit l'Éternel. Nous avons étudié la vie de Samuel. Nous avons 1 Samuel chapitre 3. Côté nous avons regardé l'appel de Samuel. Mon qui parle avec quoi c'est Monel Alcira. Allez sur YouTube, tapez TV Monel Alcira. Ou avez une chaîne YouTube nous qui grandit l'enseignement. Vous pouvez regarder tout enseignement qui gagne sur chaîne là. Vidéo et que nous faisons, côté que nous avons fait enseignement, côté nous avons fait prédication, côté nous avons fait animation de service, côté que nous avons fait œuvre sociale, et tout le monde que nous avons fait manger,
pas pour eux. Parce que l'évangile là pas seulement chita bay parole, parole faut bay, l'eau capable faut bay pain. Et même si vous pas capable à grande échelle, même à petite échelle, c'est pour bay pain et poisson parce que c'est toi ça qui te fait ministère le Seigneur Jésus-Christ. En plus là nous pour monde dans ses anges, monde dans ses pieds bois son bon bout de choses, pas manger, pas boire, bout pas vrai non. Monsieur Jean Zami, il était fait le prêcher 40. Il était fait le prêcher 40 jours. Il prêchait 39 messages. Dans 40 jours, chaque soir, c'est le cap prêcher, prêcher 39 messages. Eh bien, même un sachet de l'eau. L'œil prêché à papa, il m'a donné son bouteille de l'eau, le tabal. Il m'a donné son breuvage. Eh bien, il m'a dit breuvage, il m'a parlé de bagaille. Quand il a écrasé l'estomac, il m'a dit qu'il pourrait désystémer. Mais mon breuvage. Alors, m'a donné l'argent au tabal, un petit monnaie pour l'allemand, un bagaille qui a un sens. Quand on a après ça monsieur fait tuberculose après 40 jours il fait tuberculose en pile monde yo prend l'évangile là tant que c'est un bagaille bagaille ciel bagaille spirituel puis n'oublier la terre sur la terre nous sur la terre nous examen même pour dans ciel donc nous fait travail ça yo ou capable encourager nous ou capable partager avec l'autre monde ou capable abonner à channel. Eh bien, dans verset 3, le texte là dit nous, dans 1 Samuel 3. Alors, nous te voyons, premièrement, que le n'a pas gardé l'appel de Samuel. Nous te voyons, premièrement, l'appel là qui a venu bien bonheur dans la vie au monde. Deuxième bagage, nous te voyons que l'appel là qui a venu, même si nous n'avons pas une expérience personnelle avec Dieu. Et troisième bagage que nous avons gardé aujourd'hui dans la méditation, ça, c'est que l'appel bon Dieu, il est capable de venir. Au moment opportun, dans le temps que le doit venir. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça, c'est le symbole qui était dans le temple. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. OK? Boîte contrat. Et c'est l'alté. Là, c'est là où tu mets-il. C'est là Samuel couché. Et puis Samuel dans le temple. Ok? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc, Gomba qui parle dérangé un peu lui. Là, nous continuons à lire. Donc, même lampe ça qui était supposé l'humain sans arrêt, ça les chandeliers, hein? Un chandelier qui fait en or, et qui était supposé dans le lieu saint du tabernacle, son coin tabernacle là de trois parties, le parvis qui c'est la cour dehors, hein? Côté recevoir bête, cap vin pour faire sacrifice, c'est là où mettait femme d'eau, le lieu saint côté sacrificateur pour y venir pour faire sacrifice et le lieu très saint côté que pour le gagner uniquement le souverain sacrificateur qui l'a dans et qui rentrait là-dedans une fois chaque année. Donc chandelier ça il était gagné l'huile d'olive qui était mettait là-dedans lui qui était toujours à l'humain depuis le soir il commençait à faire noir. Yo lui-même, souvlo ka gade Exode 30, verset 8, que nous pas gade dans le livre où. Il te doué lui-même là, depuis à soir, jouk matin. Exode 27, verset 20, 21. Donc, semble c'est juste avant l'aube là, avant matin arrivé, bon Dieu parle relé Samuel pour son ministère prophétique. c'est là ça parce que texte là dit que lampe là li pas poko éteint. Donc bon Dieu te voulait que lampe ça arrêter l'humain continuellement. Quoi Lévitique chapitre 24 verset 2 expliquez-nous ça tout. Dans chapitre 24 là dans verset 2, il dit,
ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ok? Bon Dieu, pas de voulait pour lampe satin éteindre. Et pendant le soir, il te voulait pour le rester l'humain. Amen, amen. Ça, c'est une belle image. Oui? Ça, c'est une belle image. Donc, côté que bon Dieu voulait pour nous, on a Christ venu, il dit nous c'est lumière. Même si les mêmes, il dit peut-être pas c'est lumière, tout, mais il dit nous même nous c'est lumière. Tout. Il dit les lumières dans le plan, il va mettre la terre, il va mettre dans la table, dans la cabane. Il va mettre l'air. En l'air, pour tout le monde, ouais, la clairer. Pour tout le monde, ouais, la briller. L'image, ça a deux sens. Premier sens, là, lorsque c'est pas bon Dieu, quand on arrive, il faut remarquable. Faut distinguer. Ça veut dire pas cacher, faut ouais. Ou pas cacher. Ah bon, ma petite Jean mettez comme un calabre, moi, si ma fond, on bêtise. Non, mon cher. Non, mon cher, ou pas cacher. Deuxièmement, les enfants de Dieu toujours à briller. Ça, c'est le deuxième sens. Même si vous paquet même malveillante dans le monde, ça, qui voulait éteindre les enfants de Dieu, mais bon Dieu toujours planifié pour que Timounio brille. Alléluia, dans ce monde-là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, détail nous jeune de l'implant qui doit brûler l'humain continuellement. Et il pral montrer Jean sacrificateur yo te pour un recul avec les choses spirituelles. Parce que si nous ka kite l'éten, parce que si nous li n'a pas recul l'homme ça, il te vin éten. Et il doit l'humain toute la nuit jusqu'au matin. Parce que en réalité le matin, il n'y a pas besoin. Le temple doit toujours éclairer. Eh bien, chers amis dans le Seigneur, ou même captandim, quel que soit côté, il y a la grâce vigilante de Dieu qui voulait que toujours une lumière qui a brillé en Israël. Eh bien, il pral adresser au jeune Samuel avant que lumière sacrée ça fait place aux ténèbres de la nuit. Qui ça me plaît dire par là? La lumière sacrée prend fait place aux ténèbres de la nuit parce que l'arche de l'Éternel va être prise. Boîte contrat, le symbole de la présence de Dieu va être prise. La boîte va être prise par l'ennemi. Par le fait noir, par le blahi. En Israël, on fait noir spirituel à cause du comportement malsain des enfants du sacrificateur Élie. Bien que ça n'a pas là, il était sous la loi. Parce que la loi vient mon bagage là dans lui. Le ou fait un bagage qui mal, sauf fait qui mal là capable atteindre toute une communauté. Mais oui, ou pas ouais. Bien entendu, vous voyez comment il y a lapidé à Caen avec même bête la Kaili. Je ne dis pas que c'est un petit Timounio. Il était grand. Il était grand. Ouais, à Caen, il a fait bagaille qui mal. C'est peut-être dénoncé. Il n'a pas dénoncé, il n'a pas exhorté. Ça fait qu'il y a un complice de mal là, il a passé là-dedans. Mais bête, mes amis, ça bête, vous faites. Mais c'est la loi. Mais c'est celle-là, grâce, oui. Qui vient retirer mon en bas domination, ça en bas esclavage, en bas joug la loi, qui te mette pied sous tout le monde. C'est la grâce qui vient faire. Donc la grâce de Dieu pour le pénétrer dans, avant qu'arrivent les ténèbres. Nous avons connaît qui a examiné au fait de l'homme bon Dieu qui est dans le propre cœur. Comment lier? Est-ce qu'il y a en berne, il y a demi, parce que tel ou bien est-ce qu'il a brillé bien fort? Mon cher, vous comptez qui soit, m'dap fait vous, m'dap souhaite que l'homme bon Dieu qui est dans le cœur là, que l'appelé même bien fort. Je dis à nous, pas l'homme extérieur, dans un temple. Non. Mais en pile dans le temple, malheureusement, l'homme spirituel qui a de l'humain dans le cœur chrétien,
lamp sa ou fait noir. Témoignage nous, li pas correct parce que li pas gen l'huile fraîche là-dedans. L'huile Saint-Esprit a pas là-dedans. Pour tout le monde, ouais, que vraiment, nous c'est mon bon Dieu. A plus fois nous fait bêtises, plus passer boko, plus passer mambo, plus passer wangate ou de yoa. Mais l'église nous, nous dans l'église bi bala men. Mais nous l'église bi bala men, nous wangate quand même. Mais oui, n'a fait vieille cérémonie. Et quand pile nèg même sous ou sous chair soi-disant parlant en grand pli pour qui peut wangate ou. Wangate ou même pas c'est ça, aille suivre n'importe où, on va bien temps qu'on est. C'est pour suivre appel que bon Dieu ba ou. C'est pour suivre bon Dieu ou suivre mon trop ou fanatique mon trop. Tout en m'a dit non seul bagay ou fanatique mon trop. Non fanatisme, j'ai nous bouché gon paquet bagay nous pas ka wè. Il y a un paquet de monde même. Diable a utilisé avec influence que vous gagnez. Pour ouais c'est mon bon Dieu et pourtant il a fait travail Satan le diable. Faites attention en même. Pas qu'il est fanatique bouché géo. Dieu notre Père merci parce que appel là l'a venu dans un moment opportun. Si gagne monde là pour qu'on joigne appel pas eux dans temps utile. Relez pour ta gloire. Amen.